Merci beaucoup à le Centre d'architecture de Luxembourg pour m'accueillir ce soir. C'est un plaisir pour moi de partager ce travail qu'on fait de manière presque focalisée depuis 4 années dans les territoires français sur le logement. Et comme vous, à Luxembourg, au Grand Paris, il y a aussi une grande crise du logement. Donc on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et l'architecte a un rôle principal sur ces sujets. Et voilà, je vais présenter vous. La présentation déjà c'était très bien et je vais vous présenter rapidement mon agence et un peu comment ce parcours nous a amené à cette recherche aujourd'hui et à se concentrer sur le Grand Paris. Je suis espagnole, j'ai étudié aux Pays-Bas et depuis ce moment j'ai resté là, c'était pas prévu, mais bon, parfois les choses par hasard sont les plus intéressantes, donc j'ai fondé mon agence aux Pays-Bas. Ça, c'est Star. On est un bureau petit, on est environ 6-7 personnes. Et c'est aussi une volonté de rester petit. Ça nous donne aussi une certaine autonomie et une capacité de réagir assez vite. Ça me permet toujours, à moi, de rester un architecte. Moi, je ne voulais pas devenir une manager de mon agence. Je veux vraiment toujours être dans les projets très, très proches. Donc, on essaye de rester petite. Et parallèlement à tout le travail d'architecte, de concours, de projet, je me suis toujours intéressée à l'enseignement. Donc, c'était comme une prolongation du bureau parce qu'on faisait. Je voulais faire toujours la recherche appliquée au projet et donner aux étudiants toujours une vision critique, développer une critique constructive des sujets. Et après aussi, on a gardé toujours une participation active sur des textes, des journaux. On a écrit des articles aussi critiques, mais toujours critiques constructives. Mais on questionne les autres. On a questionné à l'époque cette obsession de faire tout, absolument tout, verte, parce que ça devenait durable tout de suite. Aussi, on s'est questionné beaucoup sur l'impact de la préservation de monuments dans les villes et comment ça peut impacter le développement à terme. Bon, et aussi, on a écrit beaucoup sur les logements et dans les journaux aussi que nous on collabore. Ça, c'est mon news, c'est 2 fois par an. C'est une façon aussi de prolonger notre réflexion. On invite à des chercheurs, des architectes, des urbanistes à écrire. On fait, nous aussi, beaucoup des interviews, des entretiens, qui aussi nous permettent de connaître des personnes très, très intéressantes. Et parfois, nous aussi, même, on contribue, si on a un peu du temps, avec un article. Mais surtout, au début, j'étais espagnole, je venais d'ouvrir mon bureau aux Pays-Bas. On n'avait pas de clients, on n'avait pas nos parents, nos dentistes qui nous ont la première mission. Donc, c'est le concours ouvert c'était la seule façon de remporter ou essayer de remporter un projet. Donc, depuis 2016 à 2011, je pense, on a fait beaucoup de concours. Je pense qu'on a fait 30 concours différents. On a perdu. Oh bon, c'était des concours ouverts. Donc, c'était un peu comme la loterie. On participait à chaque fois en moyenne de 150 participants. Et parce que quand on n'avait pas vraiment ni de portfolio, de procès, c'était la seule façon qu'on avait oui, remporter des missions. On a perdu beaucoup de concours, mais aussi on a gagné des autres, où on a gagné des prix qui nous permettaient de continuer à survivre. Mais surtout, ça nous a permis une autonomie, entre guillemets, parce que, oui, à travers des concours, je suis désolée pour mon français, vous voyez que ce n'est pas parfait. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander de répéter. Et ça nous a permis, les concours, de développer beaucoup de lignes de recherche, de mettre un peu de tester des idées avec cette un peu liberté que les concours donnent. Et bon, depuis le début, le logement, c'était une de nos passions, ou de mes passions, mais depuis que j'étais étudiante, c'était un de mes sujets favoris. Donc, je sais pas, on a gagné des projets européens. Ce projet, c'était comme un petit plan urbain, mais à l'échelle architecturale, où on essayait vraiment de mélanger toutes les typologies possibles dans un même bâtiment. Après, par exemple, ce projet où les urbanistes avaient déjà fixé tellement la forme urbaine, on ne pouvait pas changer ça. Donc, on a expérimenté au niveau des façades avec des matériaux, mais aussi au niveau de logements.
on voulait faire quelque chose qui était tellement rigide qu'il nous permettait en montant une liberté totale. Donc on a tout modulé avec ces deux modules, un pour les séjours, les pièces pour des jours, et un autre pour les pièces de nuit. Et finalement, ça nous a permis de faire un projet qui avait, je pense, 170 logements, mais on avait 105 des logements différents. Aussi pour les promoteurs, parce que tout le temps, ils changeaient la répartition entre les deux pièces, les trois pièces. C'est très facile de s'adapter continuellement aux besoins du marché. Mais bon, à un moment donné aussi, tous ces 4 et 5 ans de concours, de recherches, d'enseignement, nous avons construit un petit portfolio et on a décidé de commencer la candidature au concours par invitation. Donc, ce n'était pas la loterie seulement, c'était aussi, on peut envoyer une candidature et croiser les doigts et penser peut-être qu'on sera retenu. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ça en France. J'avais une amie qui me disait, Béatrice, il faut que tu candidates en France. Il y a pour le moment beaucoup à faire parce qu'aux Pays-Bas, il n'y avait rien. Nos projets espagnols s'étaient tout arrêtés pour la crise. Donc, France, c'était un peu l'espoir. Donc, on a candidaté. À nouveau, on a fait, je pense, 25 candidatures et petit à petit, on a été retenus. Un de ces candidatures, c'était pour l'Atelier international du Grand Paris. Ça, c'était vraiment une surprise parce que bon, les équipes, la qualité des équipes, c'était incroyable. Nous, on a eu la chance de pouvoir se mettre à débattre avec les architectes français que tout le monde vous connaissez, Dominique Perrault, Christian de Port-Saint-Pac, mais aussi avec des architectes internationaux comme Richard Rogers ou MBRDV, par exemple. Et l'Atelier international du Grand Paris, c'était pour moi, c'est quelque chose d'unique. C'est comme une utopie, c'est vraiment volonté de penser que si on met des gens qui sont des visions intéressantes ensemble, on peut vraiment améliorer les conditions de la ville. Et c'était comme ça, c'était un lieu d'expérimentation, de liberté de parole, pour vraiment prendre un sujet et pouvoir avoir les moyens, pas les moyens économiques, mais les moyens surtout de se mettre en contact avec les gens qui prenaient les décisions. Ça, c'était les vraies réussites de l'atelier. On pouvait rencontrer les ministres, on pouvait rencontrer les élus, les institutions, et vraiment avoir une connexion directe de nos idées avec les gens qui prennent les décisions. Donc, ça devient pour nous, c'était très relevant. Et aussi, on a rencontré des gens très intéressants. Et aussi, on a étudié, nous, on s'est concentré beaucoup sur le sujet de l'habitat parce que au Grand Paris, ils sont en crise de logement énorme. Paris, c'est ici. Maintenant, avec la métropole du Grand Paris, on parle un peu de la petite couronne, mais la crise du logement de Paris, je le comparais un peu avec la crise du logement de Luxembourg parce que c'est très similaire. Il y a la production n'arrive qu'à la moitié de la demande. Donc aussi, ça amène un climat où les promoteurs, ils ont beaucoup de liberté parce qu'ils vendent tout ce qu'ils construisent. Donc, il n'y a pas une situation où ça amène à un changement parce que c'est une situation très confortable pour les gens qui construisent le logement. C'est une crise aussi de prix parce que les prix de foncier deviennent super chers. Les prix de vente montent beaucoup plus rapide que les salaires ou les prix de la vie. Donc, la solution accordée, c'est de faire des logements les plus petits possibles pour qu'ils soient les moins chers et les plus accessibles. Les prix du foncier, c'est aussi les grands problèmes, les prix de vente. Ils se questionnent sur le déplafonnement des hauteurs pour voir si la hauteur peut aider à équilibrer un peu ces situations. Et par contre, j'ai remarqué que vous avez très, très peu de logements sociaux, mais vraiment peu. C'est un 2%. Et vous construisez 60 logements sociaux par an. C'est vraiment une situation peculière parce que nous, par exemple, aux Pays-Bas, on a 32% de logements sociaux dans les pays. En France, c'est 18%. Notre opération maintenant, c'est 40% d'opérations, toutes les opérations dans cette ville, c'est 40% de logements sociaux. C'est une ville communiste. Et voilà, c'est vraiment la moitié presque de logements sociaux. Et aussi, l'évolution des menaces en Luxembourg, c'est beaucoup. On
en Île-de-France, les menaces, la taille des menaces devient de plus en plus petite. Et les appartements grands ne sont plus les 6, 5 chambres, c'est bon de moi, c'est toujours des appartements petits. Donc vraiment, c'est une situation très similaire. Et ma critique un peu à la situation française, c'est un peu l'avantage d'être étrangère. On peut un peu regarder les choses et aussi à les critiquer, mais toujours parce qu'on a peut-être une solution ou quelque chose à améliorer. C'est quand je parle avec mes collègues français, ils sont tous, tout le monde me dit la même chose. Ils disent il faut oublier sur le logement, il n'y a rien à faire. Les conditions de marché sont tellement dures. Et après la réglementation, parce que les Français adorent la réglementation, je ne sais pas s'il y a un Français ici, mais ils sont obsessionnés avec la réglementation parce qu'ils pensent que ils sont de, l'intention, c'est bien. Mais parfois, les réglementations commencent à donner des résultats un peu aberrants, mais c'était une bonne intention. Et maintenant, même les ministères nous appellent pour des réunions, des brainstorming, pour dire comment on peut sortir de cette situation qu'on s'est générée, nous, avec les meilleures intentions du monde. Donc, c'est toujours maintenant une volonté de fluidifier tous ces processus, toutes ces lourdeurs, aussi tous les différents communes. C'est très lourd parfois de sortir un projet. Mais aussi, les Français, ils aiment bien les chiffres. Ils veulent tout résoudre avec des pourcentages, des tableaux. C'est comme la solution. Et nous, on était un peu choqués parce que je pense aux Pays-Bas, il y a une tradition grande de travailler le logement par les plans, de vraiment l'aménagement des choses. En Espagne aussi. Je voyais qu'en France, ce n'était pas du tout à la Suisse aussi. J'étais jury d'un concours à Suisse, par exemple, et même là, c'était vraiment un travail de plan, les plans de logement. Et si quelqu'un avait aussi à présenter une perspective, les jurys mettaient une feuille comme ça pour ne pas regarder la perspective, parce que ça peut... Ils disent non, les perspectives sont... Il ne faut pas regarder ça. Et en France, c'est tout à l'inverse. C'est les plans, personne ne les regarde parce qu'ils sont toujours les mêmes. Donc, ça marche, c'est les deux pièces et tout. Et c'est la perspective et tous les choses un peu plus des façades. Donc, les débats sur le logement, c'était ça. C'était les fameux 70 000 logements qu'il faut construire tous les années pour résoudre la crise du logement. Après, bon, c'était la réglementation de personnes de mobilité réduite qui nous impose de faire les fameux cercles et partout. Et je ne sais pas comment vous gérez ça, mais maintenant en France, tous les appartements, ils doivent être totalement accessibles. Avant, c'était 5% de la production. Maintenant, c'est les 100%. Et ça a des conséquences vraiment dures pour l'aménagement du plan. Après, bon, c'est tous les kilowatts qu'on peut consommer ou pas. Tout s'organise en l'été 1, l'été 2, l'été 3. L'été 1, pour votre information, c'est les studios. Je ne sais pas si ici c'est le même. L'été 2, c'est une chambre, parce que les séjours toujours comptabilisent comme pièce ou comme ça. Et c'était tout un peu qu'on écoutait quand on parlait du logement. Donc, ça, c'est les plans français. Je ne sais pas si ça ressemble à votre plan classique, mais ça, c'était le plan qu'on voit partout. Partout, les opérations nouvelles en France. Et c'est tellement... si vous mettez en Google plan logement neuf, vous trouvez ça 27 fois. Ça, on les fait partout, en Montpellier, à Paris, peu importe le promoteur, peu importe si c'est social ou accession. C'est les plans classiques, pour ne pas dire standardisés. Et après, c'est ça. C'est la façade où l'architecte vraiment a cette opportunité d'exploser la créativité. Et parfois, c'est tellement exagéré que ça montre un peu les besoins de faire quelque chose parce que les plans, c'est perdu. Donc, ces plans classiques, c'est normalement, bon, ça c'est la règle. C'est un T3, c'est deux chambres, environ 60 mètres carrés. Les promoteurs vendent ça sans aucun problème. Et nous, ça nous interpelle beaucoup parce que vraiment, on a ce souci, comment il faut que tout soit accessible aux fauteuils roulants. Et ça, c'est que depuis 5-6 années, il faut que la salle de bain il soit le double qu'on avait avant. Et aussi, comment il faut que la chambre parentale, pareil, les fauteuils peuvent s'inscrire. Et aussi, il y a un certain espace de manœuvre dans les WC, les toilettes. Ça fait que pour un petit appartement comme ça, on a besoin d'environ 5-7 mètres carrés en plus. Au prix du Paris, on paye 10 000 euros mètre carré. Ça coûte 50 000 euros pour une personne d'avoir la salle de bain,
le PC un peu plus grand. Et comme ça, c'est inaccessible, si déjà c'était inaccessible avant, la solution, c'est faire ça, une espèce de pièce cuisine, séjour, accès, qui souffre les conséquences de les 7 mètres en plus, et qui, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de cuisine fermée en France, c'est toujours la cuisine ouverte vers le séjour, l'accès disparaît. Et comme ça, on peut économiser les 7 mètres carrés qu'on ne peut pas se permettre. Donc, après, ça se fait beaucoup en France. Je ne sais pas si en Luxembourg, vous aussi aimez de faire jour et nuit, parce que c'est comme si on fait certaines choses la nuit, certaines choses le jour. Mais ça, c'est vraiment une personne qui les questionne plus. Pour nous, ça nous questionne aussi, parce que, par exemple, j'ai des copains, j'ai qui sont divorcés, qui reviennent habiter chez les parents. Et c'est très difficile. Quand on a 35, 40 ans et les parents sont à côté, c'est vraiment la cohabitation. Ça, c'est le pire plan pour faire une cohabitation. Et aujourd'hui, on voit que la cohabitation, c'est une façon d'habiter entre parents et enfants, entre une personne âgée et son aidante. Et ça, c'est le pire plan pour tous. Ça, c'est un plan qui peut-être ça marche jusqu'à ce que les enfants sont petits. Et même pas ça. Moi, j'aimais bien chez moi. Mon chambre, c'était d'un côté, mes parents de l'autre, et personne ne s'écoute, c'est très bien. Et après aussi, c'est tout notre dormant, c'est la bande humide. On met tous les gains, toutes les techniques d'un côté, et après, les pièces à vivre. Et normalement, parce qu'on a cette idée de que les bâtiments doivent être très, très compacts et très profonds, et rarement, on peut avoir un logement traversant ou double orientation, sont mono-orientés. Donc vraiment, c'est un plan, c'est une organisation qui s'applique, peu importe si on a un T3 ou un T4, l'organisation c'est la même, simplement on continue à ajouter des chambres, un peu en batterie. Ça génère aussi pour moi quelque chose de dysfonctionnel, parce qu'on a des couloirs, à force d'ajouter des chambres, on a des couloirs très longs. Et comment c'est des espaces normalement perdus, ils le font le plus petit possible, donc ça devient totalement un espace inutile, parce qu'on ne peut pas mettre même une étagère ou rien, mais en tout cas, on paye les couloirs à l'opération où on est nous, comment les prix s'est maîtrisé, c'est 4 000 dont les moyens, mais en tout cas, on paye un couloir à 50 000 euros. Et je pense aussi qu'avec une crise de logement tellement forte, on ne peut pas se permettre, en tout cas, un couloir à 5 000 euros. À Paris, ça, c'est 5 000 euros, et à Luxembourg, c'est entre les deux, c'est vraiment... C'est pas la meilleure façon, en tout cas, d'optimiser l'espace. Mais en tout cas, au-delà de si les plans de classiques ou standardisés, c'est bien ou mal, aussi nous, on se demande comment on peut trouver toujours les mêmes plans quand on a une diversification des menaces qui est plus grande que jamais. On a la famille classique, par exemple, c'est ce qu'on comprend avec les parents, la mère, le père, un ou deux enfants. Ça ne représente aujourd'hui que le 27% des menaces en France. Les 36% en Ile-de-France, les 23% à Paris. Donc, comment on peut dire quelque chose qui c'est classique, qui ne représente même les 25%? Et aujourd'hui, c'est l'exception qui fait la règle. Ça, c'est tout univers, et ce n'est pas tout compris. Mais des personnes qui habitent toutes seules, des familles monoparentales, des personnes âgées qui continuent à rester à la maison, vraiment des familles recomposées, des pères divorcés, etc. Et c'est tout ça qui fait la grande majorité des ménages. Mais par contre, les plans classiques, ils sont seulement pensés, je dirais, pour ce type de famille. Et aussi, on s'oublie totalement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pratiques comme la cohabitation, le travail à domicile, même le herbe d'un breakfast, etc., qui normalement, tout ça devrait cristalliser une créativité énorme dans les plans de logement, parce que toujours il était comme ça. Les changements de société ont amené à mettre une fenêtre ou à faire quelque chose dans les logements. Et par contre, les changements les plus grands qu'on a vécu dans les plans des appartements français, c'est finalement la réglementation handicapée, comme si tout le monde est devenu en fauteuil roulant aujourd'hui en France. Et c'est pas ça, mais c'était une bonne intention, mais finalement, les bonnes intentions aussi, parfois, ça se paye cher. Donc, nous, on a voulu analyser tout ça, dire, OK, on va aller vers la façade, les façades qui sont très belles en France, et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du logement. Comment cette coupe de vertal que j'adore, et tous les petits détails, et ça raconte une histoire, et tu dis comment la société habitait, les riches, les pauvres, tous dans les mêmes immeubles.
Et j'ai dit, nous, on va faire, nous, la coupe de Vertal aujourd'hui. Donc, on a décidé d'aller vers la façade d'un bâtiment Landa, à Paris, au Grand Paris, et nous analyser toutes les situations et voir comment les menaces font des acrobaties pour vraiment s'adapter dans le logement. Alors que ça, c'est déjà l'aberration la plus grande aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le logement qui devrait s'adapter aux menaces et pas à l'inverse? Donc ici, c'était un peu la base de la recherche. Donc nous, on a commencé à étudier différents cas. Et j'imagine que ces cas, on peut les retrouver très bien aussi à Luxembourg. Par exemple, ça, c'est le cas de ma grand-mère, totalement typique. On a une personne âgée qui habite dans un T5 parce qu'il habite là toute sa vie. Il ne veut pas déménager, il aime le quartier. Aussi, c'est pas facile. Donc, il est forcé à habiter son T5, même s'il n'utilise que sa chambre. Normalement, il n'y a aucun problème. On habite un logement de manière sous-peuplée, c'est un petit luxe. Mais si on entend, on dit qu'il y a une crise de logement énorme, ça nous interpelle. Et si on regarde, par exemple, les données à Paris, la petite couronne, on voit que la moitié des appartements sont sous-peuplés. Et par contre, la crise de logement nous dit qu'on n'arrive pas ni à construire la moitié des logements. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, nous, on a dit, dans cette opération, tous les appartements grands, à partir de T4 et T5, c'est obligatoire qu'ils soient divisibles. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand cette personne n'a plus besoin de les 2-3 chambres supplémentaires, il est tout pensé pour les couper. Nous, on dit déjà où on va les couper, parce que dès le début, on a planifié tous les réseaux, toutes les installations, et les règlements acoustiques, tout est conforme depuis le début, pour qu'en 24 heures, on peut simplement fermer une porte. On a déjà une prévision de porte ici et tous les réseaux qu'il faut pour aménager une cuisine et la salle de bain là. Ça, on a calculé comment sur le coût de construction. Ça fait à peu près 4 500 euros parce qu'il faut diviser déjà les réseaux. Mais c'est un coût totalement intégrable dans le global de l'opération. Et ça permet à cette personne âgée, les jours qu'il décide, couper son appartement, le vendre, ce qui lui donne un revenu supplémentaire, ou simplement le donner à un enfant pour aider à la décohabitation, ou le louer à un étudiant. Mais c'est une sorte d'optimisation du foncier, aussi des revenus pour elle, qui c'est très intéressant aussi comme démarche durable, parce qu'on a 2 logements sans construire en plus. Et donc pour nous, bon, ça c'est un dispositif qu'on appelait la maison d'enfant. Après, la maison d'enfant se transforme dans un petit studio. Et tout notre T4 et T5, il le contient, ils sont tous divisibles. Après, bien sûr, que toutes les bonnes idées, comme la bonne réglementation, il y a un côté perverse. Donc il faut aussi, nous, dans l'opération, on a fait des clauses anti-spéculation qui évite que quelqu'un achète tous les T4, demain, les premiers jours, les divise et peut faire des affaires. Donc, il faut penser à tout. Donc, on a des clauses de spéculation qui disent non, ça, on ne peut pas les faire, seulement au bout des X-1, pour éviter précisément que une bonne idée se transforme dans un profit de promoteur. Après, par exemple, si on regarde dans ces couples, on voit une situation très commune, une mère seule qui habite avec son enfant. Et c'est un type de menace. Par exemple, les 30% des familles parisiennes étaient monoparentales à Paris. Et c'est ce qui est plus étonnant ou plus alarmant, les 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de la pauvreté. Parce que c'est une menace d'une personne. Normalement, elle a besoin d'un T3, une pièce pour elle, une pièce pour l'enfant et son séjour. Mais c'est impossible. Personne ou menace normale ne peut pas se permettre ça. Donc, c'est ce qu'on voit toujours, c'est comment la nuit, les canapés se déplient, elle dort sur les canapés, et bon, ça amène à problème de solitude, d'intimité, etc. Nous, on a dit il faut adapter la taille aussi aux moyens. Donc, si cette personne avait soin d'un T3, mais ne peut pas se permettre un T3, on va faire un T2 plus qui a une configuration qui permet très facilement, c'est ce qu'on appelle l'alcôve, et associé au séjour, mais très facilement on peut les fermer pour que ça devienne une pièce sans devenir une T3. On a une performance T3 qui normalement c'est 60-62 mètres carrés pour 49 mètres carrés, et ça déjà devient quelque chose de plus accessible pour elle.
et un espace aménagé pour elle ou pour l'enfant qui permette la cohabitation des deux personnes. Donc ça, ça peut avoir, par exemple, cet aspect. Aussi, c'est un dispositif que nous l'avons pensé pour une famille monoparentale, mais pour quelqu'un qui travaille à domicile, c'est aussi très pratique. Ça te permet d'avoir ton bureau à côté ou pour recevoir des invités, etc. Et donc, nous, on essaye aussi dans l'aménagement de nos espaces qui, avec la même taille, parfois, on peut arriver à une performance beaucoup plus performante. Par exemple, on retrouve aussi la situation à l'inverse, c'est le père qui est divorcé, il reçoit l'enfant peut-être tous les deux week-ends. Donc, lui, normalement, il sent l'obligation d'avoir une chambre qui, pour ces 2% du temps qu'il va l'utiliser, ce qui les représente un surcoût extrêmement lourd pour ses moyens. Donc là, on peut tout à fait utiliser le dispositif précédent de l'alcôve. Ou nous, on dit aussi, on va faire des T2, qui sont de la taille normale, on n'ajoute pas les petites alcôves, mais simplement, la configuration des cellules, il est telle qui permet ces deux fois par mois, les fermer pour aménager une chambre temporaire. Ça, bien sûr, avec les logements classiques, on ne peut pas les faire. Déjà, la cuisine, c'est avec les séjours, il n'y a qu'une fenêtre. Donc ça, simplement, demande, on fait deux fenêtres plutôt qu'une. Comme ça, nous, on ferme ici. On a toujours une fonctionnalité séjour, salle à manger, mais c'est deux week-ends tous les mois. C'est parfait et on ne les fait pas à ces pauvres personnes dès ces lourdeurs de se payer une T3 quand il a besoin d'une T2. Après, bon, ça c'est l'exemple que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. De plus en plus, on voit que pour raison parfois sentimentale d'amour, de divorce, les enfants reviennent à la maison de parents, parfois temporairement, mais parfois temporairement c'est 2-3 ans, ou pour raison de chômage, ou simplement les enfants ne quittent pas la maison, et ils habitent avec les parents jusqu'à qu'ils sont 32, 33. Ils sont des copains, ils viennent à la maison. Vraiment, ça génère des situations. Je peux vous dire, parce que j'ai des amis qui ils ont vécu ces situations. La famille, il a été, il ne se parle plus. C'était insupportable. Mais vraiment insupportable parce que ce n'est pas le même habiter chez les parents quand on a 10-15 ans, que quand on a 35, quand on a différents rythmes, différents horaires, quand on ramène les copains. Bon, c'est totalement une histoire différente. Donc, nous, on a la condition. Mais la condition, c'est presque un dormant aussi qu'on s'applique. Nous, on se force à l'appliquer. Les deux pièces, sur les T3, les deux chambres, jamais on met les chambres collées. Donc, peu importe si on a un T3 comme ça ou comme ça, vous voyez, les deux chambres sont toujours séparées. Même on lui donne à la deuxième chambre un salle d'eau, même si c'est tout petit, mais un salle d'eau qui lui donne une certaine autonomie. Et même on essaye de le mettre à côté de l'accès. Ce qui demain, même on peut aménager un accès indépendant pour, par exemple, accueillir une aidante à domicile pour une personne âgée, ou même pour permettre à une personne âgée de les louer à terme. Donc, nous, et tout ça, ça a augmenté la surface du logement. Nous, on pense qu'en faisant ça, on favorise les conditions de cohabitation, on fait une cohabitation un peu plus virtuose, que cette obligation de coller les chambres. Aujourd'hui aussi, les murs, ils font 6-7 cm, c'est vraiment... C'est pas beaucoup d'intimité. Et ça, bon, je le trouve déjà. C'est une configuration qui s'est très adaptée déjà à une famille classique. L'enfant d'un son côté, les parents de l'autre. Déjà, ça devient très pertinent quand l'enfant devient adolescente. Mais surtout quand c'est un enfant adulte qui reste ou qui revient à la maison. Mais après, oui, ça aussi pour accueillir une parente, peut-être dans une raison de santé. Aussi, c'est beaucoup plus facile d'avoir une chambre un peu plus indépendante. Pour louer à une étudiante, même on a prévu toujours la possibilité d'aménager une kitchenette. So, toutes ces installations sont déjà prévues, la ventilation, l'évacuation des eaux, etc. C'est devenu un petit studio pour, par exemple, un étudiant qui loue l'habitation de cette femme. La cohabitation intergénérationnelle, c'est aussi une façon d'habiter aujourd'hui de plus en plus commun, parce que aussi pour tous les deux, il y a des avantages. L'étudiant a quelqu'un qui peut le cuisiner tous les jours, la vieille dame a quelqu'un qui les fait compagnie, ou même elle peut faire les courses. C'est vraiment une sorte de capital social qui se génère entre les deux. Ou aussi pour les dames à domicile qui doivent habiter avec le monsieur les 24 heures sur 24.
Donc, c'est intéressant parce que les deux chambres, ils sont séparées. Les deux chambres, ils sont en salle d'eau. Même la deuxième, il est à côté de l'accès. Ça génère vraiment... J'ai jamais beaucoup en phrase, je ne me rappelle qui l'avait dit. Pour habiter ensemble, il faut avoir indépendance. Et c'est ça qui, je pense, qui fait l'appartement beaucoup plus virtuose que les classiques de pièces en batterie, etc. Et après, oui, on trouve de plus en plus ces situations en France parce qu'on a les couples qui habitent dans son T2, c'est parfait. Et il y a le moment de ils sont des premières enfants et la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un T3 parce que c'est ce qu'on a besoin maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un deuxième. Donc, il faut alors déménager à nouveau. Donc, parce que les sautes de T2 à T4, c'est très grand. C'est vraiment passé presque de double. C'est un investissement très grand. Donc, pour ce type de situation, nous, on a pensé ce type de balcon qu'on appelait le plague. Ce sont des balcons qui font 9 mètres carrés. C'est à peu près la taille d'une pièce minimale en France. Et on dit, c'est une pièce qui peut se fermer demain. Et déjà, tout ça, il faut l'écrire dans les règlements copropriété, parce qu'il ne s'agit pas d'une fermeture sauvage, chacun fait comme il plaît. Nous, on a déjà déterminé les matériaux, même c'est un kit de fermeture qu'il faut appliquer pour que ça ne dérange pas la façade du bâtiment. Les calculs de tantième, des charges, tout c'est déjà à intégrer des débuts, parce que toutes ces idées, même l'évolutivité d'un logement, la division du logement, sont des bonnes idées, mais il faut tous les règlements copropriété, les notaires qui doivent transcrire ça, tous les calculs des charges, etc., que personne ne peut s'opposer parce qu'on charge finalement l'image du bâtiment. Tout ça, c'est doit anticiper énormément. Et ça, c'est la clé du succès, l'anticipation, c'est tout. Et là, ça permet à ces T2, dès à ce moment, des besoins d'élargissement de surface, pour mettre une deuxième chambre, sur le moment de déménager, peut-être n'arrive jamais, on l'attend un peu plus. Aussi, ça se valide pour simplement nos besoins d'espace, pour se faire un bureau, si on travaille à domicile, ou simplement parce qu'on a envie d'avoir un séjour plus grand. Donc, ça permet une flexibilité, un gain de place sans déménager. Nous, dans ce projet, on a, je pense, maintenant environ 20-25 plaques qui peuvent, à terme, devenir surface habitable. Et à l'inverse, on avait des logements qui peuvent se diviser, mais aussi parfois c'est à l'inverse. La famille a grandi et ils sont dans une situation de surpeuplement. Donc on a peut-être deux enfants dans une chambre. Ce n'est pas une situation très commune en France. En Espagne, c'est très commun. Même quand on décide le plan à l'école, on met toujours deux lits. En France, ce n'est jamais comme ça. C'est un lit par chambre et c'est tout. Et donc on a à l'inverse certains logements petits. Ils sont collés à logement avec l'idée de pouvoir les grouper. Et aussi ça, il faut l'anticiper, où sera la porte, les compteurs, l'installation, etc. Et ça, c'est un montage intéressant. C'est un investisseur qui achète peut-être 15-20 logements petits. Il les loue les premières 10-12 années, parce que ça aussi va avec la loi. Il y a des bénéfices très intéressants pour les investisseurs qui louent et qui peuvent trouver un rendement après 6-12 années. Et après, c'est l'appartement, il est libre pour se vendre. Et la priorité, c'est l'appartement de côté. So, il est obligé à demander à l'appartement à côté d'être le premier candidat pour la vente. Et ça permet de grouper les deux appartements, mais toujours en respectant la possibilité de demain les diviser à nouveau. So, c'est tout un processus qui peut se réversibiliser, tout le temps. Et la colocation. Je ne sais pas si à Luxembourg, c'est commun faire la colocation. En Espagne, c'est très commun. En France, c'est commun, mais ça devient de plus en plus commun. Et on a toujours tout le monde, moi j'ai vécu aussi dans un appartement partagé, on a toujours les mêmes soucis. On fait la colocation dans des appartements qui n'étaient pas pensés pour être colocataires. On a toujours les problèmes de la salle de bain, les problèmes de bruit, les chambres sont aussi... C'est pensé pour une famille, mais par contre, c'est 3, 4, 5 étudiants, même parfois on aménage une partie de séjour comme chambre pour optimiser le prix. Et nous, on a pensé une typologie qu'on avait développée déjà à l'atelier du Grand Paris pendant deux années. C'est un appartement partagé.
Il est pensé de debout pour être partagé. Il ne s'agit pas d'un T5 grand. C'est toutes les chambres. Ils sont une salle d'eau. Ça, c'est, je pense, un peu la base d'une bonne cohabitation-colocation. Et après, ils partagent le reste de la cuisine, la salle à manger, les séjours. Et ça aussi, on avait calculé dans notre recherche de la vie de Grand Paris. On a vraiment étudié les habitudes des personnes depuis longtemps, les références de la colocation, de la cohabitation. Et comme aujourd'hui, par exemple, ça c'est le site web le plus commun pour trouver un appartement en colocation à Paris. Et on voit bien que la demande surpasse 4 fois l'offre. C'est vraiment, il y a un besoin d'appartement pour faire la colocation. Maintenant, beaucoup des investisseurs nous sollicitent pour voir comment ils peuvent transformer ces grands logements en logements pour la colocation. Et bien sûr que c'est une démarche très populaire parmi les étudiants, mais la moitié ne sont plus étudiants, sont des personnes qui de plus en plus se sont attirées pour ces formes de vie, pas seulement pour des raisons économiques, c'est normalement les premières raisons, c'est aussi pour des raisons pratiques et beaucoup, les 25%, c'est pour simplement n'habiter pas toute seule et éviter la solitude et surtout des personnes âgées. Donc, on parlait beaucoup de colocation d'étudiants, des jeunes actifs, mais aussi, même, on voit qu'il y a des projets aussi d'habitat participatif, des coopératives, etc., qui sont déjà en famille, qui veulent habiter en partageant certains espaces, parce que, je n'ai pas besoin d'une salle de sport tout le temps, mais si on les partage, c'est un luxe, parce que c'est un service en plus. Et aussi, c'est une typologie que nous, on trouve de plus en plus pertinente pour toutes les familles, les ménages fragilisés, sur la famille monoparentale, les pères divorcés, etc. Et c'est une typologie, c'est pas, on n'a pas inventé nous la colocation, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus pertinente du fait à la crise du logement, la crise économique, mais surtout aussi à tout l'économie collaborative. Aujourd'hui, on a tous les systèmes de vélos, en libre-service, autopartage, etc., qui devient de plus en plus intéressant parce qu'on n'a plus ce besoin, comme dans les années 60, d'être propriétaire de notre voiture, de notre maison, etc., même si à Luxembourg, comme en Espagne, on veut être propriétaire tout le temps. Mais bon, c'est un type de propriété parce que aussi nous, on propose les appartements en co-résidence pour le propriétaire, mais c'est tu es propriétaire de ta partie privée et tu es comme la partie partager, c'est comme un sport de coopérative. Tu participes à l'écoute de ça. Et bon, on a fait une grande recherche. Je vous invite, vous trouverez des vidéos sur ce projet si vous mettez en YouTube pourquoi la co-résidence ou why co-résidence. On a fait 6 vidéos explicatives. On a fait avec des acteurs. Ça, c'est des architectes français qui ont voulu aussi nous aider. Ça, c'est François Leclerc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais on a essayé d'imaginer une co-résidence avec différentes personnes et comment entre eux ils se rendent des services. Ils sont un luxe d'espace parce que c'est partagé, ils peuvent se permettre même un sauna, un petit spa. Et on explique là tous les avantages et aussi la pertinence dans un moment où les foncières deviennent super chères. Et l'économie collaborative, c'est une façon d'avoir accès à beaucoup de services sans être propriétaire. Donc nous, on pense que la cohabitation ou la co-résidence, comme nous on l'appelait, c'est au-delà des étudiants, c'est très intéressant, par exemple, pour des célibataires qui habitent toutes seules, des personnes âgées aussi qui habitent seules et qui parfois ils ont besoin de certaines aides, mais ils ne veulent pas déménager en résidence des personnes âgées. Pour des gens, par exemple, qui habitent 2 jours à Paris et 3 jours des gens des affaires, aussi pour des gens qui trouvent son premier boulot, n'ont pas beaucoup de moyens et ils habitent dans des situations très très précaires, ou des mères étudiantes, par exemple, avec un enfant. Et on s'imagine comment tout ce monde peut, la vieille dame peut faire le babysitting à l'étudiant qui, en même temps, peut l'aider à la personne qui n'habite plus à Paris à trouver une herbe d'un breakfast, un rendement pour sa chambre quand il n'habite plus. C'est vraiment, on trouve que ça peut générer des petites communautés d'entraide entre les habitants dans un moment aussi où les aides de l'État ne sont pas très généreuses. Donc, ça peut aussi économiser beaucoup de services à cette personne. Mais bon, on a fait l'étude avec beaucoup de ménages. Je vous ai montré comment on a étudié un besoin
Et on a décidé de donner un dispositif spatial qui se cadre aux besoins de ménage et pas à l'inverse. On ne fait pas que les ménages s'adaptent au logement ou qu'ils bricolent une solution un peu désespérée. On a étudié aussi toutes les pratiques. Donc, je pourrais continuer à vous expliquer beaucoup de situations. L'exercice était ça. Lister, tous les types de menaces qu'on a pu imaginer. Je vais vous expliquer 5 ou 7. Et Lister, c'est le soin de les traduire, parce que nous, on est architectes, dans des dispositifs spatiaux. Finalement, pour voir que parfois, les dispositifs spatiaux qui étaient bien pour les pères divorcés, finalement, c'est aussi très bien pour la personne qui travaille à domicile. Donc, on a trouvé que finalement, avec 8 dispositifs ou 8 principes, on arrive à vraiment adapter le logement d'une façon très simple, parce qu'il ne s'agit pas de changer totalement la façon comme on habite. C'est vraiment parfois jeter une fenêtre là, anticiper une double porte là, qui fait toute la différence. Donc, vraiment, ce sont des choses extrêmement faciles. On reste toujours dans les prix du marché. On se donne aussi des principes typologiques pour les T1 et les T2, par exemple, les appartements petits. On les fait plus, ça veut dire qu'on a cette petite alcôve qui les rend la performance de l'appartement suivante, mais ça agrandit trop la pièce. Aussi, on a des appartements qui ont dit super aménagés parce qu'on les a remplis de rangements intégrés, ce qui fait l'espace beaucoup plus optimal. On a des appartements groupables, on a des co-résidences, qui c'est une autre façon de comprendre les petits appartements, comme si on les regroupe tous. Après, tous les T3. On les appelle super adaptables parce qu'ils s'adaptent à tous les types de cohabitation qu'on peut vivre le long de tous les parcours familiaux. Et tous les T4 et T5, et on n'a pas de T6, ils sont tous divisibles. Et après, on a vu aussi comment cette situation désespérée du marché, qui le promoteur nous dit on vend tout ce qu'on construit, a mené à perdre des choses qu'il ne fallait pas perdre parce que ce sont des principes basiques de qualité d'un logement, comme une cuisine flexible, par exemple, les habitudes françaises, les Français aussi, comme les Espagnols, aiment bien cuisiner. Une cuisine ouverte, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Au moins, nous, on laisse la possibilité dans tous les appartements d'avoir une cuisine ouverte, semi-ouverte ou totalement fermée, mais on n'impose pas ça à l'habitant. C'est lui qui va décider finalement. On pense bien comment gratter tous ces types d'espaces qui permettent d'aménager des grands placards ou des... Même parfois, on dimensionne les choses par rapport au catalogue d'IKEA, parce que finalement, IKEA, c'est la source la moins chère pour retrouver une étagère. Donc, je comprends maintenant par cœur les Billy, les Pax, absolument tout. Donc, tout est bien pensé, la fenêtre pour qu'il y ait deux Billy qui rentrent. Et comme ça, la personne peut aussi s'aménager l'appartement d'une façon moins chère. Après, il peut faire comme il veut, évidemment. On essaye toujours de voir. Ça, ce sont des choses que les habitants peut-être ne perçoivent pas, mais ne perçoivent pas comme telles. Mais ils se rendent compte, par exemple, que l'appartement il est plus grand quand on permet un visuel où on ouvre une porte et on a une fenêtre. C'est plus agréable de regarder une fenêtre que de regarder un mur. Ou quand on se permet un parcours circulaire autour du logement. Ce sont des petites choses qui font les logements virtuellement plus grands, sans les grandir, mais qui enrichissent l'expérience des habitants. Et les couloirs, ça c'était pour moi un des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec les couloirs? Les couloirs qu'on paye tellement cher. Donc, nous on dit, on a deux options. Soit on élimine les couloirs, soit c'est vraiment un appartement traversant, où les pièces donnent l'accès et l'intimité aux autres, soit ça c'est zéro couloir. Donc, on optimise l'appartement, c'est comme si on gagne 7% de l'espace. Ou on fait à l'inverse, on fait les couloirs plus grands, on a encore plus de couloirs, mais le couloir devient quelque chose. Ça devient un rangement supplémentaire, un petit bureau. Parfois même, on essaye de lui donner la lumière à travers une barrière, mais ça devient une pièce utile. C'est pas si c'était trop inutile des surfaces qu'on paye très cher. La cuisine éclairée, bon, ça semble évident, mais non, c'est quelque chose qu'on a perdu totalement, parce que la cuisine se met à la fin de ce jour. La salle de bain éclairée, c'est déjà quelque chose qui n'existe plus. Nous, on a réussi à que moi, les 50% des appartements, ils sont salle de bain éclairée. Parce qu'aujourd'hui, avec la capacité de bâtiment, on ne peut pas se permettre 2 mètres de façade pour une salle de bain. Ça, c'est très, très, très précieux. Nous, on essaye aussi de la double et même triple orientation des appartements. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. C'est bien pour la ventilation
Et même, on a, oui, nous, on a même le petit appartement, on les a donné double, parfois triple orientation. Ça, c'est les surfaces qu'on pratique à ce projet, qui sont à peu près les surfaces totalement standards des appartements à Ivry ou à Paris. So, les T3, c'est les plus communs, entre 58 et 64. Les T5, on parlait maintenant avec vous. Vous faites de T2 à 85. Là, T3. Là, bon, les contraintes nous font faire des T5 à 85. Et voilà, ça, c'est pour le montrer aussi aux promoteurs qu'il ne fallait pas faire plus grand ou plus cher. Simplement avec un aménagement différent, on arrive à simplement, si on s'évite les jours-nuits, simplement on met l'autre pièce à côté de chez jour et pas collée à la chambre, tout change. Donc, parce que, par exemple, vous connaissez la Catone Vassal, j'imagine. Ils sont aussi une démarche très intéressante pour les logements. C'est totalement contraire à la nôtre. Contraire, non, différente à la nôtre, mais c'est très intéressant. Il essaye d'économiser au maximum dans la construction du bâtiment pour pouvoir faire les appartements plus grands. C'est vraiment une solution. Il pratique ça et il peut avoir, par exemple, des T3 à 72 mètres carrés, 74 mètres carrés. Nous, on dit, bon, on préfère travailler le plan de logement. C'est simplement notre alternative. On ne fait pas les logements plus grands. Et on essaye comment on peut gratter le maximum d'un couloir de bien un bureau, par rapport à comment on met la fenêtre, ça peut devenir deux chambres à un moment donné. Donc c'est vraiment un travail qui, moi, bon, ça me passionne en tout cas, de le faire sur le plan du logement. Ici, par exemple, je vous montre des exemples. On a un T2 Plus, bio-orienté, c'est plus parce qu'il a la performance de l'alcôve. Et après, on a réussi à avoir la salle de bain, la cuisine éclairée. On a des visuels longues, on a des rangements intégrés. C'est vraiment cette volonté de pouvoir faire beaucoup avec les mêmes moyens et les mêmes surfaces. Ça, c'est un T3 super adaptable parce que les deux chambres, ils sont séparées. Donc, ça s'adapte à toutes les cohabitations de la vie. Chaque chambre a sa propre salle d'eau. Finalement aussi, on a un séjour divisible. Ça les permet à un moment donné couper, accueillir une invitée, se faire un bureau, un père divorcé, etc. La cuisine, ça peut être ouverte, fermée, comme ça les plaît aux habitants. Et on lui donne aussi des rangements intégrés qui lui permettent de profiter de chaque centimètre qu'il paye pour son logement. Aussi, on a tous ces types de typologies qu'on a voulu doubler parce que plutôt qu'avoir les T1, T2, T3, T4, on a toujours des typologies intermédiaires. C'est les T1+, les T2+, etc. qui ça satisfait un nombre plus grand de ménages. Et tout ça s'organise autour, ça c'est des tours de logement. J'ai dit tours, sont 56 mètres. C'est pas, au-delà de ça, la réglementation incendie change tout. Donc il faut rester à 56 mètres, c'est le maximum qu'on est permis de faire à Paris, à côté de Paris. Et ça c'est déjà une réussite parce que pour 40 années, c'était totalement interdit de passer 10 étages. Ça c'était environ 36-37 mètres, c'était le maximum. Et depuis 4 années, ou 5 années, Paris a commencé à déplafonner la hauteur maximale dans certains endroits, très 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 bien sélectionnés, surtout à côté de périphériques, à côté de la Seine, à côté d'infrastructures, qui permettent à nouveau de monter ou de travailler l'habitation en hauteur. En hauteur jusqu'à les 56 mètres. Et nous, on a au milieu de nos tours des espaces partagés. C'était une démarche déjà initiée, bon, on connaît bien la vérité d'habitation, des autres projets, où il avait toujours, même à cette ville, il avait des projets d'espace partagé, mais il avait toujours quelque chose qui n'a pas marché, ils sont fermés, personne ne les utilise. Nous, on croit que les espaces partagés peuvent toujours jouer un rôle et il faut peut-être changer le management de cet espace. Nous, on a pour chaque bâtiment un espace partagé et une chambre d'amis. La chambre d'amis, c'est une chambre d'hôtel, on dirait qu'on peut, si on a des invités, il ne faut pas qu'ils font le camping dans nos séjours, on peut louer la chambre et les invités peuvent utiliser ces chambres. C'est un prix très, très, je pense que c'était 20 euros la nuit, ça, c'est quelque chose de symbolique parce que les syndics nous disent pour que les habitants ils font attention ou ils care pour cet espace, il faut payer, même si c'est très bon, mais il faut payer, c'est comme ça. Donc, par exemple, nous, on a les chambres d'amis qui coûtent 20 euros par nuit. Ou également, on a
on a aménagé une salle de réception qui permet, par exemple, de faire des anniversaires, d'inviter plus de monde plutôt que dans nos séjours, utiliser ces chambres qu'il est déjà aménagé. C'est très chic, très sympa. Et ça coûte, je pense, c'était 30 euros pour une soirée. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça invite à faire un peu d'attention au moment de l'utiliser. Donc, nous, on a 5 bâtiments, on a une salle de bricolage, ça, c'est gratuit. On a une salle d'enfants, ça, c'est gratuit aussi. On a une salle de réception, non, deux salles de réception et une chambre polyvalente pour faire des ateliers de yoga, peu importe, tout le monde peut l'utiliser comme il le plaît. Après aussi, on a beaucoup d'espaces extérieurs partagés. Parfois même, on a habilité les terrasses pour faire des potagères qui sont gérées par une association. Il faut s'adhérer à l'association et tout le monde peut cultiver ses patates, ses tomates ou simplement faire de la pédagogie aux enfants et qui prennent contact avec ce type de choses. Et aussi, on a des espaces extérieurs partagés à côté des espaces partagés intérieurs. C'est tout ça, c'est un peu ces coupes programmatiques. On a 260 logements dans 5 bâtiments et l'autre, c'est derrière. Aussi, on a des activités et des commerces dans les rez-de-chaussée. C'est très important dans nos projets danse et auteur de programmer la rez-de-chaussée. C'est le contact un peu de toutes ces densités avec les sols. Aussi, nous, on a voulu faire des petites maisons dans les rez-de-chaussée, dans deux petites bennelles qu'on a aménagées. Et on fait des maisons des artistes. On a vraiment voulu penser à tous les types de façons d'habiter différentes. Aussi, on a des duplex dans les derniers niveaux, et des petites maisons ici, maisons de ville, maisons d'atelier d'artistes, etc. Des maisons comme résidence. On a voulu tout mélanger. Et maintenant, un peu toutes ces réflexions qui finalement c'est l'histoire du projet, c'est tout se cristallise ou tout se va construire ici. C'est un site triangulaire déplafonné, donc on a la chance de construire à 56 mètres de hauteur. Et ça c'est la Seine, sur Paris, le périphérique, il est juste ici, Paris, il est là. Ça c'est le site, c'est vraiment on est en face de Seine et aussi au milieu de tout un quartier en renouvellement. C'est un quartier populaire, industriel, qui petit à petit se renouvelle. Ça s'appelle Ivry Confluence, c'est un des terrains plus stratégiques de la métropole du Grand Paris. Et nous, on a ce contexte très privilégié parce que d'un côté, on peut faire des dialogues des auteurs avec les grands paysages et la scène. D'autre côté, on a vraiment ce compromis, cette obligation de générer de l'espace public parce que ça, c'est toujours le problème des tours. Les gens pensent que les tours, il faut les mettre isolées, mais alors on porte de la densité. Nous, pour nous, la tour, c'est un mécanisme aussi pour faire une roue, pour faire une place, une square. Donc, c'est vraiment une idée de tour un peu à la Manhattan. On a la roue avec la tour. Et ça contribue à l'espace public, ce n'est pas la tour objet isolé. Moi, j'imagine que dans la conférence de Marco Birgogoli, il a peut-être montré des exemples des projets danse en hauteur. Et nous, surtout, c'était toutes les conditions urbaines qu'il fallait qu'ils composent notre projet, mais surtout l'habitat. Donc, il fallait que toutes ces idées, tous ces paradigmes d'orientation, etc., génèrent la forme urbaine et pas l'inverse. Parce que normalement, on a une forme urbaine qu'il faut remplir de logements. Nous, on voulait faire les deux. On voulait être urbaniste, de l'îlot et aussi architecte. Sinon, on perd beaucoup de potentiel et beaucoup de liberté. Donc, nous, on a dit on ne peut pas faire des tours compactes, bon, compactes et épaisses, qui nous obligent déjà à perdre tout, les doubles et triples orientations, qui nous obligent à mettre la salle de bain, la cuisine, tout derrière. Nous, on a dit, le maximum qu'on va faire sont 14 mètres. Parce que nous, on a étudié que 14 mètres, c'est l'épaisseur, the golden épaisseur, qui nous permet de faire des logements traversants. Parce que sinon, aussi, au-delà de ça, ça devient un peu trop long. Qui nous permet aussi de faire des logements non orientés, ou de plusieurs configurations, mais toujours en gardant la qualité du logement en tête. Donc, c'était 14,32. Les premières choses que le promoteur a essayé, je vais vous raconter la méthode, parce que c'était le promoteur qui était en concurrence. Nous, on contrôlait le processus. Les premières choses, tout le promoteur voulait épaissir le bâtiment. Il dit non, ça ne marche pas. Au moins un mètre, il faut épaissir, parce que bien sûr que pour eux, c'est plus rentable. Mais nous, on les a fait la démonstration que c'était finalement très rentable aussi de les faire comme ça. Donc, 14,32, c'était notre épaisseur, de golden épaisseur. Et
Après, on compare avec les projets que maintenant ils sont en train de faire à Paris. À Paris, les tours, aujourd'hui, on voit des tours de 24 mètres. 20 mètres, c'est un peu le minimum. Donc, c'est ça. Et aussi, quand l'urbaniste il est d'un côté et l'architecte il est d'autre, on ne peut pas travailler à ce niveau de détail parce que l'urbaniste fait des tours. Après, peut-être qu'il n'a pas pensé au plan de logement. Après, l'architecte, bien, ne peut pas changer la volumétrie. Il est forcé à mettre la salle de bain, etc., tout derrière. Donc, nous, on voulait ces conditions, être urbaniste, architecte au montant. Ça nous a permis de faire un plan de masse très dense, finalement, mais qui permette toutes ces qualités au logement. À Paris, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Paris, il y a un vrai traumatisme avec les tours. Les mots tours, ça veut dire ça, c'est les tours de grands ensembles que les gens associent avec tous les conflits, la tension sociale. Les gens à Paris, même j'ai rencontré des gens qui travaillent au patrimoine, qui nous racontent que les tours, vraiment, ils devraient être interdits parce qu'ils rendent les gens folles. Et ça donc est des criminels. Alors que c'est, par exemple, à Rotterdam, nous, Rotterdam, c'est une ville qui a plein de tours. C'est une ville qui a été tout reconstruite après la guerre, avec tous les principes des mouvements modernes. Donc, c'était très des grands boulevards, des grands. C'est très peu. C'est pas dense, pas du tout. Après, ils se sont rendus compte qu'il fallait densifier. Donc, maintenant, on voit la ville des années 50, 60. Et maintenant, tous les tours qui viennent se poser de manière très, très intéressante et pour faire de la densité. Donc, à Rotterdam, c'est un luxe habiter un tour. C'est vraiment, tout le monde veut y habiter. À Paris, c'est la cauchemar. La tour, c'est pour les pauvres. C'est vraiment les dernières options. Donc, aujourd'hui, nous, on veut renverser. C'était préjugé. Parce que vraiment, finalement, si on fait un projet avec tous les logements qu'on veut faire, avec toutes les qualités, mais personne ne veut y habiter parce qu'ils ont tous ces traumatismes avec les tours. C'était une bataille perdue, en tout cas. Donc nous, on a, comme on aime bien les principes, pas les règles, mais les principes. Et je dis ça parce que c'est différent. Et ça, c'était un des débats plus intéressants avec le ministre. Parce que nous, on dit, il ne faut pas, je pense, dire aux donneurs, ou déterminer les moyens. Il faut déterminer un objectif. Et si moi, j'ai pu arriver à cet objectif avec un pourcentage différent, il faut peut-être avoir de la souplesse. Et ils ont compris les messages, mais je pense qu'ils ont beaucoup peur de dire, mais si on ne donne pas les moyens, tout le monde va faire un peu comme ils veulent. Et ils disent, non, mais l'objectif, c'est l'objectif qu'il faut fixer. Après, donne-nous aux architectes les moyens. On n'est pas totalement imbécile. On peut aussi penser et arriver aux mêmes moyens avec différentes... les mêmes objectifs avec différents moyens. Nous, on aime les principes parce que les principes sont des choses qui parlent d'objectifs et le même principe peut se décliner dans 3, 4, 5 résultats différents. C'est comme un concept. Nous, on a dit, OK, on va étudier toutes les choses qui les gens détestent des tours ou les choses qui ont été mal faites à l'époque pour les tours. Et voir comment on peut les renverser pour rendre la tour finalement désirable, comme à Rotterdam, rendre la tour une bonne tour, quelque chose, une déclinaison positive de la densité, et pas seulement un empilement efficace de logements, et c'est tout. Donc bon, nous on a regardé, comme j'ai dit déjà, la rez de chaussée c'est un point extrêmement important pour un tour. Normalement dans les tours de grand ensemble, on les fait en pilotis, c'est vraiment on élimine ce moment extrêmement important où la densité rencontre les sols. Donc pour nous, ça c'est un moment, même où il faut agrandir la tour peut-être, donner plus d'espace pour avoir des commerces, des programmes, un grand hall d'accès, etc. Et aussi le ciel. C'est pas le même habiter dans les premiers étages, dans les derniers étages. Donc, ces rencontres avec le ciel, un peu poétique, ça peut déjà donner des logements différents. Mais aussi, une toiture partagée, vraiment quelque chose qui tout le monde, on démocratise un peu la hauteur. Et bon, ça, c'est un appartement extérieur, c'est évident, mais c'est pas si évident que ça, pour tout le monde. Même si on habite dans son tour, on va donner une pièce extérieure bien proportionné, c'est pas tellement la surface, mais la proportion qui importe. Aussi une forme urbaine qui est bien réfléchie. C'est pas les 20 mètres, c'est pas les 24, il faut qu'il sorte aussi de l'habitat. Donc pour nous, c'est toujours cette épaisseur qu'il faut garder, en tout cas pour notre opération. Mais après, une forme urbaine qui réagit un peu avec le contexte de la ville. C'est pas simplement une section peut-être qu'on va extruire, mais on est peut-être plus large dans la rez-de-chaussée.
On a voulu nous distinguer trois moments, la rue, la ville, c'est un peu le volume horizontal de la hauteur moyenne de la ville, et après le ciel. Et on a aussi, on s'est dit, découper les tours, qui deviennent plus fins au moment des rencontres avec le ciel, pour aussi valoriser ces trois moments de la tour. C'est super important que la circulation, les couloirs, les rôles d'accès, etc., les paliers, ils sont qualitatifs. Nous-mêmes, on a combiné dans les mêmes bâtiments, appartements en cursive. Ça aussi, c'était un traumatisme pour les Français, la cursive. Nous, on a voulu tester aussi, montrer que la cursive, c'est déjà, on a des appartements traversants tout de suite, c'est vraiment une qualité. Donc, dans les niveaux bas, parfois, on a des appartements en cursive, ça donne déjà des circulations éclairées que tout le monde peut visualiser, etc. Les appartements hauts, on a deux paliers, mais on a essayé qu'il y a certaines qualités, soit la lumière naturelle, mais qui sont des espaces qualitatifs. Et nous, on pense que les espaces partagés, toujours peu articulaires, on peut s'être grand et seul, faire un peu de petites communautés, comme des petites, comme une petite place dans un village, et faire que les gens s'approprient de cet bâtiment, qui c'est très grand, parce que c'est une tour. Aussi, on pense que tous ces espaces d'opportunité, il faut aussi les donner aux habitants, soit les terrasses, pas faire simplement une terrasse technique, même s'il faut mettre des panneaux solaires, il y a des mécanismes où on peut faire un jardin et des panneaux solaires en même temps. Trouver ce qu'on appelait la échelle intermédiaire, parce que dans une tour, on a le logement et la échelle de la tour, et nous, on pense qu'il doit y avoir quelque chose au milieu, pour éviter un peu cette anonymité. Pour nous, c'était les espaces partagés. Peut-être pour notre projet, il faudra trouver autre chose. Mais nous, c'était un peu ces choses qui fait entre le privé et pour la grande échelle, quelque chose intermédiaire. Nous, on pense qu'une tour ne doit pas être une superposition de plans classiques, mais par contre, donner lieu à une diversité énorme de logements pour pouvoir avoir beaucoup de personnes différentes qui habitent ensemble. Et aussi que les appartements, ils sont un peu plus de performance que l'appartement standard. Donc, on a tout l'évolutivité, la superadaptabilité, les plus, les bonus, etc. Et aussi, on pense que la façade d'un tour, il faut peut-être échapper à cette tradition d'une ville qui n'a rien à voir avec l'intérieur. Et peut-être c'est trop extravagant, c'est peut-être très à la mode, mais également, ça sera très dépassé très bientôt. Donc, ça rend un bâtiment déjà un peu moins résistante au passé. Nous, on préfère les classiques qui n'est pas à la mode, mais ne sera aussi dépassé d'ici à 5 ans. Donc, c'est quelque chose aussi, pour moi, ça m'intéresse, c'est la durabilité de style. Il faut aussi faire attention. Donc, nous, on travaille, par exemple, comment aussi rendre faire une façade qui parle, qui soit narrative, qui ne soit pas bruyante, mais simplement narrative. Donc, nous, tous ces dispositifs qu'on a voulu faire pour les projets, l'alcôve, les maisons d'enfants, etc. Comment trouver un certain langage, donc ça sera peut-être les couleurs du tableau, les couleurs d'une menuiserie, mais qui, pour les gens qui veulent passer un petit moment, on mettra une légende, tout le monde peut comprendre où il y a une maison d'enfants, où il y a une cuisine éclairée, où il y a l'alcôve, et tout le monde aussi, ça peut aider à repérer son logement, parce que dans un projet très dense, c'est difficile de trouver son logement. Ce sont des petites choses qui font la grande échelle un peu plus relative. Et qui finalement aussi aide à raconter un peu l'histoire qui se passe à l'intérieur. On ne perd pas ces jolies connexions d'intérieur et d'extérieur, comme on a aujourd'hui, où les plans, c'est tout standardisé, n'a rien à voir avec la façade, c'est totalement anecdotique. Et voilà comment on a pu faire, parce que ça c'est un projet réel, qui va se construire, et comment on a pu convaincre les promoteurs qui font toujours le logement standardisé, qui se vendent et tout, dès une démarche tellement complexe ou compliquée à ces jeux comme ça. Donc ça, c'était la réussite de ce projet. Même, bien sûr, comme architecte, on est très bien, on peut faire des choses merveilleuses. Mais si on n'a pas un accompagnement, soit d'une ville, soit d'un aménageur, quelqu'un qui a le pouvoir, vraiment, nos idées, finalement, n'arrivent pas. Donc, nous, on avait soin, je dis toujours, derrière un bon projet, il y a un bon client. Ça, c'est toujours comme ça. Nous, on ne peut pas faire tout seul, malheureusement. Mais on avait soin de tout l'ensemble des personnes. Et c'est cette personne-là, c'est Jamel Aitaïssa, c'était l'aménageur de cette SAC, un centre d'aménagement concerté, Libre Confluence, qui est l'architecte. Donc, il a une sensibilité spéciale pour tous ces sujets. Et qu'il disait, bon, je suis le directeur opérationnel de ce territoire, je ne veux pas faire 7900 logements standardisés.
on doit faire autre chose. Et nous, on se comprenait bien. Nous, on a été retenus pour ce concours. C'était tout d'abord un concours pour retenir l'architecte. Mais la méthode, c'était très intéressant, je vais vous expliquer. Il voulait, c'était un peu les thèmes de ce concours, réinventer le logement et la tour d'habitation. Parce que et la tour d'habitation, comme vous avez vu, ce n'est pas évident en France. Donc, il fallait travailler les deux choses en même temps. Ça, c'est la ville où on fait le projet. C'est une ville en Grand Paris, à côté de Paris. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est Ivry-sur-Seine. C'est vraiment une ville qui mérite une visite si vous passez par Paris, parce qu'il y a vraiment, c'est incroyable les bâtiments qui sont là. Vraiment incroyable. C'est tout dans les centres-villes, ça c'est très très facile à se parcourir une matinée. Ils sont des architectes très intéressants à l'époque, c'était l'atelier Monrous, Renaudy, René Ayusté, qui ont fait ces centres-villes. Surtout des logements sociaux, parce que c'est une ville communiste depuis toujours. Toutes les opérations, il faut qu'ils soient 40% de logements sociaux. Ça, c'est obligatoire. Personne ne cherche pas à ça. Et dans les prix d'accession, les prix sont maîtrisés. Ça veut dire que le promoteur ne peut pas venir et dire « je le vends à 10 000 euros » parce qu'il pourrait le vendre à 2 000 euros. À 300 mètres au côté de périphérique Paris, c'est le prix. Et ici, à cette ville, c'est comme ça. On a trois types de prix, maîtrisés, prématrisés et libres. Matrice, c'est pour les gens qu'il faut parfois reloger parce que son logement a été détruit, donc il faut les reloger. Ils l'achètent au même prix qu'on l'achète le logement, son logement, donc, et on les garantit qu'ils auront un logement dans les nouvelles opérations. Prix maîtrisé, c'est pour les gens qui travaillent ou habitent à Ivry. Et libre, c'est pour tout le monde, sauf pour vous, si vous voulez acheter un logement à Ivry. C'est des prix très intéressants par rapport à les territoires où on est. Et ça, c'est le processus. C'est totalement à l'inverse. Normalement, c'est l'aménageur de ville, c'est la commune, et, qui travaille avec un promoteur. Le promoteur, normalement, dans son cahier des charges, so, il nous dit les T2, ça fait 40 mètres, les T3, ça fait 60, je veux une chambre comme ça, double monorienté, jour-nuit, et tout ça, c'est déjà écrit. Vraiment, tu l'appliques et ça te donne le plan standardisé. Et après, ils font un concours d'architectes. Normalement, ils retiennent un architecte qui travaille sur la base de son carrière de charge. Et on va dire, nous, on est à la fin. On est content si on a gagné les concours, si on a remporté. Et cette personne, Jamel Aitaïssa, pensait que si on fait les processus classiques, on ne pourrait jamais débloquer ces situations. Donc, il fallait penser à l'inverse. Donc, nous, on se met au debout. Donc, nous, on a l'aménageur toujours à côté. L'aménageur, c'est personne importante parce que les architectes, ils ont ces réputations, on est un peu fou, bah, on fait des choses qui personne ne comprend. C'est l'aménageur était toujours là pour un peu parler à la ville, dire non, non, elle n'est pas folle, elle est bien. C'est pour faire tous ces liens des choses, c'est ce qu'ils nous proposent, c'est OK. Donc vraiment, c'était important. Après, la ville nous a compris, il y en est bien aussi, mais c'est l'architecte, je sais pas, je pense qu'il donne peur aux promoteurs, aux villes. Donc, il nous fallait ces personnes qui nous donnent un peu de crédibilité. Donc, c'est nous qui on a travaillé 3 mois avec la ville, avec les urbanistes, avec l'aménageur, sans les promoteurs, pour développer les cahiers de charges qu'on a voulu faire. Sur nos cahiers de charges, c'était bien évidemment, les T4 sont évolutifs, les T3 sont comme ça. Ça, c'était notre cahier de charges. Et après, il a mis 4 promoteurs en concurrence. Donc, les promoteurs étaient totalement bouleversés. Parce que jamais ils sont en concurrence, ils ont pris ça très mal au début, même ils ne voulaient pas se voir les uns et les autres. Après, tout le monde a joué les jeux et tout le monde a aimé, mais les promoteurs étaient en concurrence. So, à chaque jour, on passait 2 jours en atelier. So, ça, c'était un processus d'atelier de conception, dont on rencontrait un promoteur le matin, un promoteur l'après-midi, et le lendemain, l'autre et l'autre. On avait séance de 3-4 heures, on faisait vraiment des brainstorming. Nous, on les disait, OK, on veut faire le logement évolutif. Comment vous nous donnez sa réponse? Nous, on fait le design, vous devez penser à la technique, les notaires, les syndics, comment on va faire la répartition des salles, etc. Et ils ramenaient des idées. Et c'était un processus que je n'ai jamais vécu. C'était un luxe de pouvoir participer. C'était vraiment des personnes qui tout le monde se mettait au service du projet. Ça semble évident, mais c'était unique. Le projet, c'était le protagoniste. Moi, comme architecte du projet, j'avais un rôle central, mais c'était le projet, toujours le projet et l'habitat qu'il fallait, il fallait réussir. Donc, c'était 4 équipes de promoteurs qui ont fait 4 ou 5 mois des ateliers de conception, une fois tous les mois.
Et au bout de 4 mois, c'était seulement une qui sera retenue. Donc, c'était vraiment à l'inverse. C'était nous, un aménageur, qu'on allait choisir le promoteur qui l'a fait le meilleur de tout. Et voilà, c'était... Et ces promoteurs, bon, les sujets qui ont traité au même temps, c'était l'habitat, la hauteur, aussi l'histoire d'Ivry, parce que c'est une ville avec une histoire, comme vous savez, de l'habitat très, très important. L'ingénierie, c'était super important. Et l'économie, parce que nous, on ne voulait pas faire un projet utopique qui est finalement, on sait tout dans les papiers. On voulait s'assurer que ça sorte, et ça sorte dans les vilains de l'architecte, de l'aménageur, des promoteurs, de la ville, de tout le monde. Donc c'était une condition de que les promoteurs, l'équipe de promoteurs, il vient déjà avec une entreprise de construction. Et que depuis le début, l'entreprise de construction commence à chiffrer, commence à tout chiffrer. Combien ça coûte une alcôve, un habitat évolutif, etc. Et qui ça nous assure de que tout ça, ça rentre dans les prix. Pour éviter les surprises, parce que normalement on fait un projet, après l'entreprise les chiffre, c'est débordé, il faut commencer à couper et déshabiller le projet. Donc nous, on a travaillé depuis le début, tous les promoteurs avec l'entreprise, et s'il y avait un moment où il y avait un risque, l'entreprise trouvait une solution. Donc, toujours, les coûts étaient maîtrisés, totalement maîtrisés, au point que même les choses ont devenu moins chères, c'est ce qu'on avait pensé. Donc ça, c'est vraiment une réussite pour le projet. Donc ça, c'est les premiers 3 mois dont on faisait un atelier tous les mois avec les villes, parce que c'était aussi un processus de sensibilisation. On lui dit à la ville, on va faire des co-résidences, la ville aussi doit porter cette ambition, on doit les expliquer pourquoi ça c'est bien, pourquoi l'évolutivité, et la ville avait peur de que ça soit une ville communiste, qu'on va faire d'appartements évolutifs, que le promoteur va couper et vendre le lendemain. Donc vraiment, il fallait les réassurer de tout. Donc on a fait ça, des ateliers comme ça, où tout le monde vraiment alimentait le projet. Et le projet, nous, on avait décidé déjà sur l'habitat, mais c'est vrai qu'au bout de cet atelier, on a perfectionné tellement ces connaissances parce qu'on a confronté tout ça à la réalité d'une ville, d'une valeur sociale, d'un promoteur, etc. C'était vraiment... bon, ça, c'est les ateliers de promoteurs. On a les 4 groupes de promoteurs. C'était des ateliers très, très... parfois, ils venaient à vendre parce que tout le monde voulait gagner. Donc, ils ramenaient un notaire, un constructeur, un bois. Vraiment, c'était un univers de moyens incroyable qui alimentait ces idées de projets. Et parfois aussi, les processus étaient tellement intéressants que même le ministère, il est venu à participer à ces ateliers parce qu'il ne croyait pas qu'on pouvait, nous, gérer des promoteurs comme ça. Et c'était totalement choqué de voir comment les promoteurs s'avaient mis dans les jeux. Et nous, on disait, OK, on jurait, on va penser dans la co-résidence. Et les promoteurs, tout le monde ramenait des idées, des associations, des colocations, etc. Ils voulaient faire ça réalité. Donc, pour le ministère, c'était totalement une innovation de voir comment un promoteur même donnait des idées, c'est pas seulement l'argent. Et c'était vraiment un processus extrêmement riche. Aussi, c'était un projet, c'était le projet le plus partagé avec les habitants d'Ivry, parce que c'est un projet délicat. C'est le premier tour de logement depuis 40 ans. Les tours, ils n'ont pas très, ils ne sont pas bienvenus. Donc vraiment, on a voulu que depuis le début, les habitants comprennent pourquoi on fait des tours, pourquoi on les fait comme ça, pourquoi ils ne sont pas 24 mètres, pourquoi on les fait à 14, etc. Et pourquoi c'est bien faire des tours, parce qu'on va les offrir des choses que peut-être on ne peut pas les offrir avec un bâtiment de 5 étages, ni espace partagé. Il y a des choses qui c'est seulement grâce à la densité qu'on peut se permettre. Donc, on a pensé avec eux tous les sujets qui nous intéressent. On a fait des ateliers sur l'habitat, on a fait des ateliers sur la façade, sur les espaces publics, etc. Vraiment, les habitants de cette ville, ils sont tellement engagés dans tout ce qui se passe dans les territoires que nous, pour nous, c'était plus intéressant de rencontrer les habitants que même les architectes, parce que c'est eux qui nous posaient les questions les plus interpellantes. Ça, c'est vraiment, c'était un plaisir de travailler avec eux. Et tout le monde, ce monsieur, c'est incroyable parce qu'il est un monsieur qui a tous les... Il n'est pas architecte, mais il a tous les livres de Rem Koolhaas, c'est lui. Il a SML Excel, Delirious New Year, c'est incroyable comment il connaît des références, de beaucoup plus que moi-même. Il nous ramenait des références tous les jours aux ateliers. Et voilà, au bout de 4 mois, c'était le moment où les promoteurs, normalement c'est nous qui rendons les panneaux d'un concours, c'était le promoteur qui nous allait rendre l'offre finale. Et l'offre finale, on avait mis toutes les choses qu'il fallait que les promoteurs répondent. Donc, par exemple, ça c'était les promoteurs retenus.
Donc, nous, ils parlent ici comment ils vont faire l'appartement divisible ou comment ils vont faire les rangements intégrés, comment ils vont nous assurer que ça tient dans les prix. Après, ils nous racontaient comment ils vont faire la co-résidence. Vraiment, c'était extrêmement intéressant de lire tout ça, les espaces partagés. C'était toutes nos idées architecturales et c'était une histoire de comment les faire possible. Bon, ça semble banal, mais pour nous, c'était incroyable. Et on a quatre bouclettes comme ça, avec toutes ces idées, tous ces potentiels, toutes ces intelligences. C'était vraiment incroyable comme processus. Et tout ça, pour garantir que le promoteur retenu ne va pas gagner les concours et après, j'ai gagné et maintenant on va faire l'appartement standardisé. Donc on a tout cadré dans une promesse de vente que vraiment l'aménageur il a passé des soirées jusqu'à minuit pour tout écrire. Parce que comme les Français aiment beaucoup tout, les règles, il fallait que tout soit bien à son style. Donc ça, c'est le projet. Il n'y a aucun diagramme dans ce livre, mais ça, c'est le projet. Parce que tout est écrit, c'est incroyable. Je n'ai pas lu ça, c'est impossible, j'ai lu un morceau, mais tout, c'est les plagues, et il parlait de plagues, c'est la co-résidence, c'est tout est là, signé par tout le monde, pour qu'il soit totalement waterproof. Et ça, c'est qui nous va permettre de construire le projet comme il a été envisagé. Et moi, je termine maintenant simplement avec un bel article que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un journaliste qui écrit sur des questions urbaines, Sylvie Vincedonte, à Libération, un journal français. Et c'est vraiment, c'est peut-être une phrase pas spectaculaire, mais ça, je pense qu'il résume tellement bien notre démarche parce qu'il dit « Et si l'habitat de demain s'adaptait au mode de vie d'aujourd'hui ?» Et c'est tout, je pense que c'est tout qu'il faut aujourd'hui pour révolutionner le logement. Et pas révolutionner de manière fantastique ou extravagante, c'est vraiment petites choses qui vont faire ces révolutions. Bon, merci.